suis avec. Sapo verde, toyo. Sapo. Sancho. Mais il te chante bonne fête en anglais. Et pourquoi? C'est pas la bande boxe de janvier. Et alors? Le thème de la boxe, c'est pas anniversaire. Oui. Et en janvier, c'était pas ta fête aussi? Ah. On a assez perdu de temps. Hein, vous l'aurez compris, on est là pour un autre unboxing, celui de la bande boxe sous le thème anniversary. Donc, ils fêtaient leur premier anniversaire, si je ne me trompe pas, en janvier. Moi, je fêtais le 34e, merci Sancho. Mais il n'a jamais prononcé ton âge, j'ai juste chanté bon fête, hein. C'est vrai, tu ne m'as pas demandé mon âge, c'est moi qui... Ouais, bon. Oublions. Donc, je trouvais ça approprié de recevoir ce qu'ils appelaient leur meilleure boîte de l'année. Donc, une boîte anniversary. Je sais que moi, j'avais fait ma Romero Box anniversaire, que c'est Mathieu qui l'a reçu, sûrement déjà envoyé, sûrement déjà reçu, sûrement déjà unboxé. Il avait promis 12 unboxings, donc sûrement les deux sont déjà faits. On va pouvoir la comparer, même si à la taille de cette boîte-ci et celle que j'ai envoyée. Mais bon, je m'attends quand même à beaucoup de cette boîte-là. Ils avaient promis un objet collector signé dans toutes les boîtes. C'était le premier Jason, l'acteur, je ne me souviens pas de son nom, on va pouvoir le voir à l'intérieur. Et toi, t'en rappelles-tu, Sancho? Harry Lachman, je crois. C'est ça. Bon, t'as meilleure mémoire que moi. Donc c'est ça, il devrait avoir sa signature à l'intérieur. Ne tardons plus, on va l'unboxer. C'est la première bambox que j'unbox sur la chaîne. Pour l'instant, celle du mois prochain, je l'ai arrêtée. On verra si la licence du mois d'après m'intéresse. Mais sinon, comme à l'habitude, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur avant même que je puisse le voir. Il n'y a pas de pépette, je sens comme un masque. La signature devrait être sur un masque, je me souviens bien. Oui, voilà. Et voilà, sa signature sur le dessus avec les traces de sang et tout. Donc, bam, authentique, très très bien. Oui, 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 ça allait sur le mur. Donc, oh ouais. Très beau masque quand même. Je m'attendais à ce que ce soit plus cheap que ça. Mais ils ont pris la peine de faire une peinture dessus et tout. C'est très très bien. Et sa signature sur le front. Très très bien. Merci Bambox. Ça s'annonce bien. Le reste, on dirait du papier. Oh, il y a une petite affaire en métal ici. Stain Classy? C'est dans quel film que j'ai vu ça? Ma mémoire m'a fait défaut. T'en souviens-tu, toi, Sancho? Non, je suis pas sûr. Hein? Non plus. Mais les classes quand même. Stain Classy. Très, très bien. Oui. Bon. D'accord, on continue. Oh, un autre certificat d'authenticité. Ouh. Ouais, Michael Myers et Leatherface. Ça dit que c'est un item extra. Est-ce que j'aurais eu un item extra? Oh yeah! En tout cas, c'est très très bien. C'est Leatherface et Michael Myers. Très très bien. Donc, on continue. Oh oui! Eeny, meeny, miny, moe. On reconnaît Lucille et les zombies. Mais est-ce que ça serait Miguel en zombie? J'ai une signature en bas. Donc l'artiste l'a signé aussi. C'est le 1570e sur 2500. Wow, alright, c'est intéressant comme concept.
continue. Oh, j'ai ici. Qu'est-ce que c'est que ça? The Real Ghostbusters, really? Non! Ça a été peint à la main. Wouah! Mais oui! Génial! Ils l'ont mis sur un petit background du décor de Ghostbusters. Donc, wow! Oui! Par John Lachman. Très, très bien. Wow, je suis un grand fan des Ghostbusters. Autant les dessins animés que les films. Donc, recevoir un article comme ça, ça me plaît énormément. Je m'attendais vraiment pas. Peint à la main par l'artiste lui-même. Excellent. Donc, wow. Alright. Donc, on continue. Oh, quelque chose de petit. Bam! Exclusive Parody Pins. Une petite casquette avec Strange. Donc, j'imagine que c'est Stranger Things. J'ai pas vu le show encore, donc, mais mon ami le collectionneur l'a souvent regardé. Et je pense que la casquette est de là. Peut-être qu'il va pouvoir le confirmer d'en bas, dans les commentaires. J'essaie de voir si en arrière ça le dit. Ça me dit pas plus. Mais très très intéressant, oui. D'accord, je reprends. Oh, ça c'est la caca pépette. Donc, est-ce que c'est fini? Oui, la boîte est vide. On voit les dessins ici. C'est un peu dommage que la boîte a été perforée ici. Une chance que. C'est un masque qui était sur le dessus, donc il n'a pas pu être endommagé. Oh! Et rien sur ça. Donc, oui, c'était un article extra. Malheureusement, il n'y a rien qui nous dit quels étaient les autres articles extra qu'on aurait pu recevoir. Mais je suis très, très, mais très, très content parce que l'art est vraiment beau et c'est signé en plus par l'auteur, le 495e sur 2500. Wow, 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 vraiment, un article extra de Barbox sur ma première box. Ça donne le goût de continuer. Mais je vais sûrement en reprendre une autre plus tard. Heureusement, le thème de la 90 ne me parle pas plus que ça. Donc, on va attendre sûrement le mois prochain, mars, voir qu'est-ce qu'ils annoncent. Mais je suis impressionné par cette box-ci. J'ai de la misère vraiment à choisir un article qui me plaît le plus. Sauf la plaque, après voir d'où est-ce qu'elle vient, ça m'intéresse moins. Le pin, ça demeure un pin. Mais l'autre, un item extra, donc waïaïaï. Ça, c'est un article unique en réalité. Mais je pense que j'irai avec le dessin Ghostbusters peint à la main par l'artiste John Lachman. Wow! Vraiment, je m'attendais pas à recevoir quelque chose comme ça dans une boîte. Bambalt, c'est un autre niveau, vraiment. J'ai entendu qu'ils se sont plantés peut-être en décembre ou en. Je me souviens plus trop quand exactement. Et Nerdblock les avait ramassés. Alors que Nerdblock, en réalité, ils galèrent tous les mois. Et de temps en temps, ils arrivent à nous donner quelque chose de vraiment waouh. Alors que Bambalt, c'est presque chaque mois que j'ai vu qu'ils ont donné quelque chose de waouh. Et un mois qu'ils se sont plantés. Ce mois-ci était juste incroyable. Non, vraiment, c'est de belles licences. Ils ont réussi à donner quelque chose de vraiment très intéressant malgré l'épaisseur de la box. Je suis content du dessin. Je suis content de l'article extra. Je suis content du masque. Même le pin, c'est très beau. J'ai rien à dire, mais excellent job. Bonne fête, Bambox. Sancho, on y va.
Pourquoi ça peut merder? C'est quoi ça? Laisse faire. Bonne fête, mon box. Et merci encore pour cette box. Vous, je veux savoir, vous, quel est l'article qui vous a le plus impressionné? On veut le savoir. Dites-nous-le dans les commentaires. Ça nous intéresse. Ah, il y avait peur que tu oublies, cabron. Et comme à l'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez regardé, lâchez un pouce bleu. Commentez en me disant quel article vous avez aimé le plus. Souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao!